Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'accident de l'Airbus A330 d'Air France qui a eu lieu le 1er juin 2009, l'AF447, plus connu sous le nom du Rio Paris. AF447, une enquête incomplète C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre de manière technique et factuelle, loin de tout débat complotiste. Comme vous le savez certainement, mon sujet est surtout le MH370, mais en fait, je m'intéresse souvent à d'autres accidents et je m'étais justement intéressé à l'Air France 447 quand je travaillais sur le MH370. Pourquoi Parce que cet accident avait impliqué des recherches en mer et qu'il me paraissait important de comprendre comment celle-ci avait été menée par le BEA, comment les zones de recherche avaient été définies, quels moyens et méthodes avaient été déployés. Le but était de comprendre les problématiques que posent justement les recherches en mer. J'avais pour cela étudié tous les rapports du BEA, à savoir trois rapports d'étape et un rapport final, car j'estimais que l'on ne devait pas se limiter aux seules recherches, mais comprendre tous les tenants et les aboutissants pour avoir une compréhension globale et mieux apprécier les décisions prises. C'est ainsi que je me suis fait ma propre analyse. Et que j'avais identifié des facteurs contributifs que l'enquête n'avait peut-être pas suffisamment pris en compte, voire pas du tout. Alors, le but de cette vidéo n'est pas de lancer de polémiques, ni d'accuser Airbus ou le BEA de quoi que ce soit. Je vais simplement vous donner une vision différente, mais appuyée sur des éléments techniques tangibles, qui sont d'ailleurs pour la plupart parfaitement décrits dans les rapports du BEA, mais aussi dans les manuels de vol de l'avion. Alors lorsque j'avais étudié euh, par la suite le crash d'un autre accident, de l'Airbus A320 Asia qui avait eu lieu le 24 décembre 2014, soit cinq ans plus tard, bien les similitudes étaient frappantes. Alors la panne de départ était différente, mais l'enchaînement des erreurs pilotes après le passage en loi Alternate, on parlera de ce que c'est la loi Alternate plus tard, était identique et les facteurs liés à l'ergonomie de l'avion étrangement similaires. Alors, il est important d'être conscient que le commandant de bord du vol Air Asia est le responsable direct de par son action sur les breakers, c'est-à-dire les disjoncteurs. Une action qui ne devait en aucun cas être effectuée en vol et qui constitue une faute grave. Je suis parfaitement d'accord avec les conclusions du rapport officiel dans cette enquête. Mais l'enquête n'aurait-elle pas pu être poussée plus loin pour identifier des facteurs contributifs comme pour l'Air France 447 se pourrait-il que l'on n'ait pas pris en compte des leçons que l'on aurait pu tirer de l'Air France 447 Alors, Le rapport de l'accident du vol Air Asia ne mettait pas plus en lumière ce que je vais vous décrire ici et qui sont, selon moi, des facteurs contributifs identiques à l'Air France 447. Alors, dans ces deux cas, il a été retenu comme cause euh, des erreurs de l'équipage suite à une défaillance technique. Alors, on entend souvent le public, mais aussi... Les syndicats de pilotes critiquaient ce genre de conclusion au titre qu'il est facile d'accuser les pilotes qui ne sont plus là. Pourtant, dans ces deux crashs, il faut reconnaître que c'était le cas. Les pilotes ont contribué au crash dans les deux accidents en amenant l'avion dans une situation de décrochage et ne sont ensuite pas parvenus à analyser correctement la situation pour en sortir. Deux accidents étonnamment similaires, pourquoi en étant arrivés là N'y aurait-il pas des facteurs contributifs qui auraient désorienté les pilotes au point de ne pas réussir à analyser correctement et de prendre les bonnes décisions et les bonnes actions L'avion n'aurait-il pas lui-même contribué à cela C'est ce que nous allons étudier dans cette vidéo. Force est de constater que malgré l'absence de mise en lumière lors des enquêtes, il y a des éléments qui tendent à montrer que l'avion lui-même n'a pas aidé les pilotes et aurait même travaillé contre eux comme vous allez le voir. Pourquoi les enquêtes n'ont-elles pas investigué les pistes que nous allons expliquer ici Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Et je ne souhaite pas aller dans un tel débat. Libre à vous d'en juger, donc. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre en lumière des éléments pouvant affecter la sécurité aérienne. Plusieurs années après avoir étudié l'enquête de l'Air France 447, j'ai découvert un livre publié par un pilote de ligne à la retraite, Gérard Arnoux. Le Rio Paris ne répond plus. Ce livre est une référence technique très instructive. Il pointe du doigt tous les éléments que j'avais notés en allant encore plus loin dans l'analyse technique, nous faisant profiter de son expertise aux commandes de cet avion, puisqu'il a piloté justement des Airbus. Je recommande justement vivement cet ouvrage. Entrons à présent dans le vif du sujet et intéressons-nous à la chronologie du vol Rio-Paris en allant directement à l'essentiel de ce que je veux aborder, car sinon ce serait bien trop long à tout décrire. Le crash est attribué au givrage des sondes Pitot. Je pense que tout le monde le sait. Euh, soit dit en passant, il est peu connu euh, que la compagnie avait réceptionné les nouvelles sondes Pitot la semaine juste avant le crash et devait les remplacer au fur et à mesure que les avions entraient en maintenance. Air France avait en effet engagé une étude avec Airbus dans le but de changer de modèle de sonde suite à de nombreux rapports de givrage à haute altitude. Il faut bien comprendre que ce genre de processus prend du temps. Certification des nouvelles sondes, modification de la documentation et des processus de maintenance, le changement sur l'avion ne peut pas se faire euh, sans un long processus dont le but est de respecter le certificat de navigabilité de l'avion. Un temps anormalement long pour le grand public, mais malheureusement normal dans le domaine aéronautique. On ne fait pas ce qu'on veut et n'importe quoi sur un avion. Donc, revenant sur le, le Rio Paris, lors de la traversée euh, d'une du, zone orageuse, les sondes pitot de l'Airbus A330 ont givré, privant l'avion d'une donnée essentielle, qui est la vitesse. Alors, la réaction de l'avion est de déconnecter le pilote automatique et de rendre la main au pilote. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette réaction est parfaitement normale dans une telle situation. L'avion ne sachant plus à quelle vitesse il vole. Il déconnecte le pilote automatique pour dire au pilote ⁇ Je ne sais plus faire, à vous de reprendre la main ⁇ Dans pareil cas, les pilotes sont censés analyser rapidement la cause et appliquer ici la procédure qu'on appelle IAS douteuse, donc vitesse douteuse, dont vous avez la procédure ici qui est dispo dans euh, le rapport du BEA. Alors, dans la F-447, les pilotes n'ont pas compris ce qui s'est passé, l'effet de surprise de l'alarme en pleine nuit en plein rythme circadien défavorable n'a pas aidé. Le pilote en place droite a donc repris les commandes, ce qu'il fallait faire, mais sa réaction a été surprenante. Il a mis l'avion en montée. Pourquoi Là-dessus, les rapports du BEA pointent des pistes sans toutefois apporter de certitude et pour cause, les écrans côté droit n'étaient pas enregistrés par le Flight Data Recorder, le FDR, c'est la boîte noire qui enregistre les paramètres. Seuls ceux du côté commandant de bord le sont. Il n'était donc pas possible de savoir ce que le copilote avait réellement vu sur ses écrans. Le BEA là-dessus est parfaitement transparent. L'enquête a montré que lors d'un givrage des sons pitot, cela avait un impact sur l'information d'altitude, amenant à une diminution d'environ 300 pieds de l'altimètre et un impact sur le variomètre, c'est-à-dire la vitesse verticale. Pouvant aller jusqu'à moins 750 pieds par minute, comme le montre ce graphique issu d'un des rapports du BEA qui a étudié justement ce qui peut se produire sur une sonde dans pareil cas. Il faut comprendre que l'avion n'est absolument pas descendu, c'est l'instrument de mesure qui réagit ainsi au givrage. La seule action aurait été de ne toucher à rien et les instruments auraient refonctionné quelques secondes ou minutes plus tard après avoir dégivré. Bien entendu, tout ceci est facile à dire. Il est probable que le pilote ait noté cette différence d'altitude ou de fausse descente et ait voulu rejoindre le niveau de vol assigné. Mais il y a aussi une autre possibilité. Le directeur de vol, ces fameuses barres verticales et horizontales qui forment une croix, pouvait tout aussi bien indiquer qu'il fallait monter pour rejoindre cette altitude. La barre horizontale étant peut-être vers le haut. Le pilote a donc très bien pu vouloir monter pour aligner correctement les barres du directeur de vol, afin de les mettre en forme de croix et maintenir la trajectoire du plan de vol. Il n'est malheureusement pas possible d'expliquer parfaitement la réaction du copilote, comme le dit bien le BEA. Ce qui est certain ensuite, c'est que le copilote est resté crispé sur le manche en continuant à cabrer l'avion. L'enquête pointe donc du doigt le facteur humain pour expliquer une situation de tétanisation qui est compréhensible et l'analyse du BEA sur ce point est parfaitement crédible. Le problème est que, en continuant à tirer sur le manche, l'avion a continué à monter et à perdre de la vitesse. Le rapport du BEA a pointé un manque de formation des pilotes dans le pilotage à haute altitude et notamment en situation inusuelle, ce qui était également le cas. Les décrochages n'étaient d'ailleurs pas enseignés sur Airbus. On amenait tout simplement l'avion en simulateur à proximité du décrochage et on laissait faire l'avion pour voir comment il réagissait en loi normale. Sauf que, nous le verrons dans les deux accidents qui nous intéressent ici, l'avion n'était plus en loi normale. Airbus a-t-il procédé à de vrais décrochages lors de la certification de l'avion Je n'ai pas réussi à trouver de preuves si cela a été le cas ou pas. La recommandation du BEA a débouché sur ce que l'on a appelé le Upset Recovery, dont le but était de mieux familiariser les pilotes à ces situations et notamment à mieux comprendre que les réactions d'un avion à haute altitude sont bien différentes de celles à basse altitude du fait d'une vitesse propre plus élevée, mais aussi que la sensibilité plus grande des commandes peut désorienter les pilotes à haute altitude. La FAA, l'autorité de régulation américaine, avait d'ailleurs publié une étude très détaillée et très intéressante de plus de 400 pages sur le sujet en 2008, un an seulement avant le crash de l'Air France 447. Preuve que cette situation avait déjà été identifiée comme sensible. Alors, en cabrant l'avion, la vitesse a rapidement chuté amenant l'avion en situation de décrochage. Un décrochage qui est resté entretenu jusqu'au crash. Un décrochage peut en temps normal être décelé un peu avant qu'il ne se produise par des vibrations que l'on appelle le buffeting. Pourquoi l'équipage ne les a pas ressentis Eh bien tout simplement parce que l'avion était en conditions orageuses et que l'équipage a très bien pu les confondre avec des turbulences. Ensuite, une situation de décrochage se remarque souvent par une assiette trop forte. Or dans le cas présent, on était de nuit, aucune référence visuelle à l'extérieur donc la seule référence était l'horizon artificiel qui, quand on regarde la vidéo des données du FDR, montre qu'il n'y a pas une assiette exagérée, tout du moins en apparence. Le problème, c'est qu'à haute altitude, le décrochage peut se produire avec une incidence très faible de l'ordre de 12 degrés. Les pilotes n'ont donc pas décelé les signes d'un décrochage jusqu'à ce que l'alarme Stall ne se déclenche. Pourtant, la 330 était, au dire du constructeur, Impossible à faire décrocher. Un argument de vente depuis la sortie de l'Airbus A320. Une avancée immense dans le domaine de la sécurité, comme on peut s'en douter. Une, affirma une affirmation qui est exacte à un détail près. Cela n'est valable que lorsque l'avion est en loi normale, uniquement car les commandes, les, les commandes de vol sont dotées de protections qui l'empêchent de décrocher lorsqu'il est en loi normale. L'avion connaît les limites de son domaine de vol et c'est quand il s'en approche et va réagir en conséquence pour l'empêcher d'aller dans cette zone critique. Mais ça, c'est quand tout va bien et que tout fonctionne bien. Or là, lorsque l'avion perd l'information de vitesse des trois sondes, cela entraîne un passage en loi de commande de vol alternate. Une loi de commande de vol dégradée où il y a moins de protection. Et justement, la protection contre les décrochages n'est plus disponible. L'équipage se retrouvait donc avec un avion qui n'était rien d'autre qu'un gros Cessna, basique, mais qui ne se comporte pas du tout comme un Cessna, comme nous le verrons plus loin. Restait donc l'alarme de décrochage pour informer les pilotes de l'approche imminente du décrochage. Celle-ci s'est bien déclenchée, et les pilotes ont réagi comme le demandait la procédure de l'époque d'Airbus, c'est-à-dire mettre ce qu'on appelle Toga, pleine puissance, dans le but d'accélérer et de reprendre de la vitesse. C'est la procédure que vous avez ici en image qui est extraite du rapport du BEA. Or, cette procédure était à contresens de ce que l'on apprenait depuis toujours à un pilote. Et justement, Patrick Louis, dans son livre Les paradoxes de l'hippocampe, explique parfaitement l'incohérence d'une telle action lors de son passage de qualification à 320. Le rapport du BEA montre aussi la procédure de l'époque et explique qu'elle a depuis été modifiée. Alors on ne peut pas accuser le BEA de manque de transparence sur certains aspects de cette affaire. C'est juste que certains éléments ont été très peu relayés par les journalistes, car peut-être trop techniques pour le grand public. Un décrochage, il faut savoir, c'est le résultat d'une incidence trop forte. Les filets d'air sur l'aile arrivent avec un angle trop fort au point qui ne parviennent plus à coller suffisamment à l'aile et commencent à se décrocher comme vous le voyez sur cette image-là. C'est pourquoi on appelle ceci un décrochage. La seule action à faire est de diminuer l'incidence pour faire recoller les filets d'air sur l'aile. À basse vitesse, en palier, l'incidence augmente et lorsque l'on atteint cette incidence maximale, l'avion décroche. Il faut donc reprendre de la vitesse pour empêcher le décrochage avant qu'il ne se produise. Mais lorsque le décrochage s'est produit, voire même un peu avant, ça peut être un faux problème. Reprendre de la vitesse doit amener l'incidence à diminuer. Mais on prend ainsi le problème dans le mauvais sens. La priorité est de diminuer l'incidence. Il faut donc pousser sur le manche. Et cette action de base est d'autant plus importante sur un avion de ligne à aile en flèche, où le comportement en décrochage est très différent de ce qui est enseigné en début de formation au pilotage sur un avion à aile droite comme un Cessna. Sur un avion à aile en flèche, un décrochage va avoir tendance à augmenter encore plus l'incidence et avoir ce qu'on appelle un autocabrage. C'est quelque chose qui est connu sur avion de combat mais très peu dans le domaine de l'aviation civile. Il est donc d'autant plus urgent de diminuer très rapidement l'incidence sur un Airbus qui est sur le point de décrocher. Une action sur la puissance moteur va en plus avoir un effet pervers qui n'avait pas été pris en compte par Airbus lors de la procédure utilisée à l'époque par Air France. La position des moteurs fait que, euh, le, par rapport au centre de gravité, cela va entraîner un couple accabré, comme vous voyez sur l'image. Tout ce que l'on doit justement éviter dans une situation de décrochage, l'action de mettre la puissance par l'équipage a donc augmenté encore plus l'incidence, ce que l'on observe aisément dans la vidéo du FDR. L'action à cabrer sur le manche du copilote a encore plus accentué cette réaction. À un moment, on remarque justement que les pilotes mettent plein gaz, ce qui atténue euh, mettent plein, réduit, pardon, plein réduit, ce qui atténue l'effet cabreur, justement. Mais l'incidence est déjà trop élevée de l'ordre de 44 degrés. Alors celle-ci diminue mais il se produit une réaction de l'alarme de décrochage qui ajoute de la confusion au pilote. Nous verrons le fonctionnement de l'alarme d'écrochage, qu'on appelle l'alarme stall, plus loin ici, car son fonctionnement est aussi un facteur que je considère contributif de l'accident. Et pour ne rien arranger, lorsque l'avion se retrouve dans cette situation, le stabilisateur horizontal, qu'on appelle le PHR, le plan horizontal réglable, est bloqué dans sa dernière position. Or, comme il avait été commandé à cabrer par l'ordre du copilote, celui-ci s'est retrouvé dans une position telle qu'il participait en plus à l'action à cabrer de l'avion même après le décrochage. Par ailleurs, le réservoir d'équilibrage situé à l'arrière de l'avion, que vous voyez sur l'image ici, était rempli de carburant. Alors, pas complètement, mais au moins partiellement. Ce réservoir n'a qu'une seule fonction, c'est modifier le centre de gravité de l'avion en croisière afin de le déplacer vers l'arrière, car un avion centré arrière a pour avantage de diminuer la consommation en croisière tout en évitant d'agir trop sur le stabilisateur horizontal, c'est-à-dire le fameux PHR. Il joue ainsi le rôle de compensateur et augmente la stabilité de l'avion. Le PHR créerait plus de traînées si on agissait uniquement sur lui de manière trop importante. Augmentant ainsi la consommation. On essaie donc de minimiser au maximum la traînée pour améliorer l'efficacité aérodynamique dans le but de moins consommer. Sauf que, dans le cas présent, cela ajoute du poids à l'arrière et participe de ce fait à l'action accabrée de l'avion dans une phase où on voudrait justement faire l'inverse. À cause de ces deux choses, même si le pilote avait poussé à fond sur le manche pour rétablir, il n'est pas certain que ceci aurait été suffisant pour récupérer l'avion. Il aurait fallu remettre le trim, c'est-à-dire le PHR, en position neutre manuellement. Facile à dire, mais quand vous vous retrouvez dans une situation que vous ne comprenez pas, sans aucune référence visuelle extérieure, et que vous n'avez qu'une à deux minutes pour faire toutes ces actions, cela est bien plus difficile dans les faits. Pourquoi en situation dégradée le trim donc le PHR ne reviendrait-il pas en position neutre La question peut se poser, parce que cela aurait facilité une récupération de l'appareil. Il fallait déjà du temps pour réduire l'incidence en passant de plus de 40 degrés à une incidence normale qui est aux environs de moins de 10 degrés. Et pendant tout ce temps, l'avion aurait continué dans un piqué encore plus prononcé, augmentant par la même occasion le taux de, vie, le taux de descente, qui était déjà très très élevé. Puis, il aurait fallu revenir à une situation en palier, c'est-à-dire faire une ressource pour revenir euh, en vol horizontal. Et cela aussi, ça aurait pris du temps. L'avion a chuté en seulement 3 minutes 30. 3 minutes 30, c'est extrêmement rapide. Personnellement, j'estime que si l'équipage n'avait pas entrepris les actions au bout de seulement 1 minute 30, l'avion est de toute façon condamné. Une minute trente pour comprendre, analyser, décider et agir, c'est rien. Lorsque le commandant de bord est revenu dans le cockpit, il était déjà trop tard. L'avion était, selon moi, déjà irratrapable. L'incidence était telle qu'il aurait fallu engager l'avion dans un piqué très important pour reprendre de la vitesse avant d'ensuite effectuer une ressource pour remonter. Tout cela de nuit, rappelons-le. Une manœuvre qui, auront, qui aurait au moins requis, selon moi, 15 000 pieds. Raison pour laquelle je considère que lorsque l'avion passait 20 000 pieds en descente, il était déjà condamné. Petite anecdote, en avion de combat, quand j'étais dans l'armée de l'air, euh, les pilotes avaient pour consigne de s'éjecter s'ils ne récupéraient pas le contrôle de l'avion à 10 000 pieds, c'est-à-dire 3 000 mètres. Et un Airbus est encore moins manœuvrable. Pour vous donner un petit élément de comparaison. L'argument d'Airbus, selon lequel la 330 et plus généralement la famille A320, A330, A340, ne pouvait pas décrocher, était un argument purement commercial destiné à rassurer les acquéreurs. Mais dans les faits, quand les automatismes et les protections ne sont plus disponibles, l'Airbus reste un avion comme les autres. Mais d'autres points suscitent des interrogations dans la conception même de cet avion. On sait que les pilotes ont agi simultanément sur les commandes pour essayer de reprendre le contrôle, pour en plus donner des ordres de pilotage contradictoires. Comment deux pilotes peuvent-ils donner des ordres contraires Mais surtout, comment un avion peut-il laisser faire une telle chose Il ne doit y avoir qu'un seul pilote aux commandes à la fois, et cela, quel que soit l'avion. Et si les pilotes Sink doivent great. piloter pull ensemble, up. il est primordial qu'ils agissent dans la même direction. Et c'est là qu'apparaît un choix très surprenant de la part des ingénieurs d'Airbus. Sur Airbus, on peut pousser sur un manche et tirer sur l'autre. Les calculateurs additionnent les ordres des deux manches pour déterminer quelles actions les, les calculateurs vont faire sur les gouvernes. Ainsi, si on pousse à fond sur un manche et que l'on tire à fond sur l'autre, la somme algébrique fait zéro. Conséquence, l'avion ne bougera aucune gouverne. Comment a-t-on pu installer une telle logique à bord d'un avion Dans le cas de l'Air France 447, on observe directement et de manière dramatique comment cela a contribué au crash. Le copilote est resté tétanisé sur son manche à cabrer. Ça, c'est du facteur humain, mais ça peut arriver. Quand le pilote est en place gauche, quand le pilote en place gauche annonce qu'il prend les commandes, on se dit qu'il va pouvoir corriger l'erreur du pilote. Eh bien, il ne peut pas, à cause de cette logique d'addition des commandes des deux manches. La procédure Airbus veut que, quand un pilote prend les commandes, il l'annonce. Ce que fait le pilote en place gauche. Et l'autre doit lâcher le manche, ce que le pilote en place droite ne fait. Et ça, c'est parfaitement décrit dans le rapport du BEA, comme vous pouvez le lire ici. Le PNF dit commande à gauche, prend la priorité et donne une action brève en butée à gauche. Le PF reprend presque immédiatement la priorité sans aucune annonce et continue à piloter. Il y a donc là une erreur du pilote de droite. Ce n'est pas un reproche sur le pilote en place droite, c'est un constat. Les données du FDR, la boîte noire, le confirment, comme c'est dit dans le rapport du BEA que je viens de vous montrer. Alors cela montre tout simplement les limites d'une telle procédure dans une situation de stress intense. Or, depuis, cette procédure est toujours en vigueur et n'a fait l'objet d'aucune critique de la part des enquêteurs. C'est devenu une méthode de travail infaillible dans la plupart des avions. Mais pourtant faillible quand on se retrouve dans une telle situation inhabituelle comme ici. Or, le but des enquêtes n'est-il pas aussi de montrer les limites d'une procédure, d'une méthode de travail et, si nécessaire, de la corriger De plus, la logique d'addition des ordres des manches n'a absolument pas été considérée comme un facteur contributif. Alors que pourtant leur logique est clairement détaillée dans les rapports du BEA. Tout est écrit, tout est sous nos yeux et on ne voit pas le rôle contributif que ça a joué dans l'accident. Il y a un autre choix surprenant des ingénieurs d'Airbus concernant les manches. C'est la non-conjugaison des deux manches. Jusqu'à l'arrivée de l'A320, les manches des deux pilotes étaient toujours conjuguées, c'est-à-dire qu'ils étaient liés. Si un manche bougeait dans un sens, l'autre bougeait dans le même sens. Ce n'est plus le cas sur A320 et A330 ainsi que tous les avions Airbus depuis, même le dernier A350. Airbus a adopté ceci comme une norme. faut dire que des générations de pilotes n'ayant connu que cette logique depuis, a désormais accepté ceci comme une norme. Mais sont-ils vraiment conscients des travers et du rôle de ce choix ergonomique dans la contribution au crash de l'Air France 447 et du vol Air Asia Boeing, avec son Boeing 777, qui est aussi à commande de vol électrique, a fait le choix de conserver le volant central et de les conjuguer, considérant qu'un pilote doit toujours avoir conscience de ce que fait l'autre pilote. Ainsi, si vous tirez à fond sur le manche de droite, le manche de gauche ne pourra être poussé qu'en combattant l'action du pilote de droite, forçant les pilotes à agir dans un seul et unique sens. Quel bon sens ce n'est pas le cas sur Airbus. Le pilote en place gauche n'avait aucun moyen de se rendre compte que le copilote allait à l'inverse de ce qu'il souhaitait faire, si ce n'est que de constater visuellement que le copilote tirait encore sur son manche. Sauf que les manches d'Airbus ont un débattement qui est très faible. Et je mets donc au défi quiconque de dire depuis le poste d'à côté, dans une ambiance de nuit, si l'autre pilote tire ou pousse sur le manche. Cela ne se serait jamais produit sur un Boeing 777. Alors je ne suis pas en train de dire que Boeing est mieux qu'Airbus. Les accidents du Boeing 737 Max montreront quelques années plus tard que Boeing peut aussi faire de graves erreurs de conception agissant, sur le, agissant contre les pilotes. Par ailleurs, la sensibilité des commandes et notamment en roulis lorsque l'avion bascule en loi alternate est différente et les pilotes n'étaient pas suffisamment entraînés à piloter l'avion en loi alternate, qui plus est à haute altitude, et je ne suis pas certain que ce soit davantage le cas encore aujourd'hui, même si je sais que les pilotes s'entraînent un peu plus à piloter l'avion en loi alternate ou direct. Le ressenti est donc différent. Néanmoins, dans le cas de l'Air France 447, la mollesse des réactions de l'avion est imputable directement à la situation de décrochage qui rendait les gouvernes bien moins efficaces. Alors cela aurait pu mettre la puce à l'oreille des pilotes, mais cela n'a pas été le cas. La désorientation était telle qu'ils n'arrivaient plus à faire un diagnostic correct de la situation. Les pilotes n'avaient aucune conscience claire de leur vitesse, comme on le constate. Quand le copilote dit ceci Faut il soit valable j'ai l'impression qu'on a une vitesse de fou qu'est-ce que vous en pensez non. Non. Alors cela montre que le pilote n'a aucune vitesse cohérente sur son PFD, c'est à dire son indicateur de pilotage. l'impression est certainement renforcée par le bruit de l'air qui est plus important que d'habitude. Cela est dû à la forte incidence de l'avion qui augmente le bruit aérodynamique et non à la vitesse de l'avion. On note également que les pilotes n'avaient aucune conscience de leur taux de descente et n'ont absolument pas remarqué le variomètre qui était pourtant en butée basse. Les pilotes ne l'ont pas vu. Il était complètement absent de leur champ de vision en butée. Le circuit visuel censé être la base d'un pilotage en IFR, c'est-à-dire aux instruments, est ici complètement absent, montant, montrant encore, si ce n'est nécessaire, la désorientation complète et l'incompréhension des pilotes. Au contraire, à plusieurs reprises, ils annoncent même qu'ils remontent, alors que ce n'est absolument pas le cas. Pourquoi une telle méprise parce qu'ils ne regardaient que l'indicateur d'assiette qui était au-dessus de l'horizon, leur donnant une fausse impression qui était trompeuse. Un indicateur aurait peut-être pu les sauver. C'est le Bird. Pour vous expliquer ceci, je vais utiliser le F-16, qui est un avion que je connais très bien. Sur le HUD, ce qu'on appelle en français la VTH, viseur tête haute, on a ce repère qui est d'une interprétation et d'une utilisation enfantine. Il donne la direction dans laquelle vole l'avion et donc sa trajectoire réelle. Pour sortir d'une situation inusuelle, il suffit tout simplement de le mettre sur l'horizon. Rien de plus simple. Sur les Airbus, le Bird, comme on appelle ce, cet indicateur, peut être affiché sur le PFD en appuyant sur le bouton Track FPA. Mais ce n'est pas une pratique répandue sur Airbus et de manière plus générale en aviation commerciale. Il est toutefois nécessaire d'avoir ce qu'on appelle un ADR, Air Data Reference, c'est-à-dire le système qui fournit les, euh, la, la centrale inertielle et les données de référence Air. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail ici. Dans l'Air France 447, il semble que les ADR et la 330 en possédaient trois. N'avait pas, pas été disponible à certains moments. Pourquoi Là, je me pose une question. En quoi une, forme, une information de vitesse manquante venant des sondes pourrait mettre hors service un ADR Je ne suis pas suffisamment expert en ADR Airbus pour répondre à cette question. Un ADR, c'est en quelque sorte la fusion d'une centrale inertielle qui est censée détecter les mouvements de l'avion, s'il monte, s'il descend, s'il avance, s'il recule. Un, ce sont des accéléromètres. Et des informations de pression provenant des diverses sondes air de l'avion disposées sur le fuselage. Une façon de regrouper des données auparavant séparées. Le BIRD est généré à partir des données de l'ADR. Or, le BIRD ne nécessite qu'une information inertielle, sans information de vitesse en provenance des sondes pour fonctionner. Mais sur Airbus, c'est le cas. Pourquoi parce que l'on a le don aujourd'hui de complexifier un système qui pourrait être plus simple. C'est une tendance que l'on observe dans tous les avions de ligne modernes aujourd'hui. C'est applicable également à Boeing. Pourquoi ne pas avoir fait en sorte que cette fonction Bird puisse être également fournie en secours en ne prenant qu'uniquement l'information inertielle Surtout si la centrale est fonctionnelle. Si les ingénieurs d'Airbus avaient codé une apparition automatique de ce bird en situation inusuelle, et notamment de décrochage, en supprimant l'indicateur d'assiette pour éviter que les pilotes ne s'y réfèrent, comme cela a normalement été fait pour le, le, le Flight Director, Flight Director disparaît dans certaines circonstances, cela aurait peut-être permis aux pilotes de se rendre compte que le bird était embuté en bas du PFD. Et donner ainsi une information capitale pour leur permettre de retrouver les repères. L'utilisation du bird est sous-estimée en aviation commerciale, alors que c'est un repère très simple et utile dans certaines situations, surtout quand on a un doute sur sa trajectoire réelle. Des avions de ligne modernes commencent à être équipés de VTH. C'est une excellente chose puisque le bird est toujours affiché dessus. Sauf que la VTH n'est déployée que lors des phases de décollage et d'atterrissage, jamais en croisière. Pourtant, la VTH est une façon simple de piloter tout en regardant dehors. Pourquoi ne pourrait-on pas généraliser l'emploi de la VTH à toutes les phases de vol À méditer. Depuis toujours, on apprend aux pilotes à piloter à l'assiette. Certes, c'est la base. Mais dans le cas de l'Air France 447, le pilotage à l'assiette a induit en erreur les pilotes. L'assiette était souvent positive, donnant une fausse impression de trajectoire en montée. Revenons sur l'action simultanée des pilotes sur les commandes. Airbus avait pourtant mis en place un dispositif pour alerter les pilotes lorsqu'ils touchent simultanément nos commandes. Cette alarme, c'est un petit voyant devant le pilote qui s'allume, doublé d'une alerte sonore dual input. Pourquoi l'équipage n'en a pas tenu compte alors qu'il l'entend à quelques rares occasions? Tout d'abord, du point de vue facteur humain, quand vous êtes en situation de stress intense, un simple voyant ou une simple alarme passera complètement à la trappe. Le cerveau est ainsi fait qu'il bloque complètement certains sens en situation de stress pour privilégier les réflexes. Faites un test en passant plein d'alarmes sonores, des messages d'alerte que vous ne comprenez pas, des voyants qui s'allument de plusieurs couleurs, puis demandez à un pilote ce qu'il a entendu et vu vous vous rendrez compte que certaines seront passées complètement à travers. L'alarme dual input a bien sonné dans le cas de l'Air France Rio Paris. Cinq fois seulement et une fois de manière incomplète. Mais à plusieurs reprises. Pour ne pas dire la plupart du temps, les pilotes agissent simultanément et le dual input ne sonne pas. Pourquoi Eh bien, l'explication est pourtant parfaitement logique. Quand vous identifiez les moments où elle sonne, c'est lorsque l'alarme décrochage ne sonne pas. On parlera juste après du déclenchement de l'alarme de décrochage, l'alarme stall, car il y a des choses à dire dessus aussi. En fait, les alarmes sont classées par ordre de priorité. L'alarme stall est une alarme de priorité haute, qui est, ce qui est parfaitement compréhensible, car elle traduit une situation d'urgence. Elle est donc bien plus importante que l'alarme dual input. Ainsi, quand l'alarme stall est en marche, l'alarme dual input est inhibée. Voilà pourquoi elle n'a pas sonné davantage. Mais il y a encore plus surprenant, c'est dans le crash du Air Asia. Elle n'a jamais sonné. À aucun moment les pilotes ne se sont rendus compte qu'ils touchaient simultanément aux commandes. Parce que dans ce crash, l'alarme stall a toujours sonné. Il n'y a eu aucun blanc dans l'alarme stall pour permettre à l'alarme dual input de sonner. Preuve selon moi que le choix de cette logique de dual input est insuffisant dans de telles circonstances. Pourquoi l'enquête ne s'est-elle pas penchée sur le caractère contributif de l'action simultanée sur les commandes Je n'ai malheureusement pas la réponse à cette question. La solution la plus simple serait de conjuguer les manches, d'annuler l'addition des ordres des deux manches, et ainsi de supprimer le dual input qui ne serait plus nécessaire. Revenir à un système simple, logique, pour tout pilote, comme c'est le cas sur les avions Boeing. Au lieu de cela, rien de ce que je viens de vous dire n'a été noté dans les rapports du BEA. Aucune recommandation n'a été émise sur le fonctionnement et l'ergonomie même de l'avion en ce qui concerne les manches. Alors, loin de moi la volonté de suggérer une quelconque négligence. Je fais seulement ici un constat. Certaines personnes ont été jusqu'à suspecter une connivence entre le BEA et Airbus pour évincer la responsabilité du constructeur dans le crash de l'Air France 447. Je ne vais pas aller jusque-là, car le but de cette vidéo n'est pas de créer une polémique ni de désigner des coupables. Ces facteurs contributifs sont pourtant insuffisamment présents dans les rapports en ce qui concerne l'avion et son ergonomie. Et ça aussi, c'est un constat. Autre point. Qui interroge concernant la logique de conception des manches, c'est la prise de priorité. Il est en effet possible pour un des pilotes de prendre la priorité sur l'autre. On entend d'ailleurs à plusieurs reprises l'annonce Priority sur l'enregistrement CVR. On pourrait se dire que cela aurait dû permettre au pilote de gauche d'annuler l'action du pilote de droite. Sur ce point, un détail avait attiré mon, mon attention sur le rapport de l'Airbus à 320 d'Air Asia au point de penser qu'il y avait forcément une erreur dans le rapport. C'est cette phrase-là. Elle dit que le bouton sur le manche permettant de prendre la priorité doit être maintenu 40 secondes pour désactiver l'autre manche. J'ai bien cru qu'il y avait une erreur dans ce que je lisais. Le pilote devait maintenir ce bouton 40 secondes. 4 secondes, je pourrais comprendre. Mais 40 secondes après des recherches dans les manuels d'Airbus, je trouvais enfin la phrase, et à ma grande surprise, il n'y avait pas d'erreur. C'est bien 40 secondes. Comment peut-on imaginer un pilote maintenant un bouton pendant 40 secondes, qui plus est en situation de détresse Cette logique est très surprenante et il serait intéressant qu'Airbus explique ce choix de 40 secondes dont je n'ai trouvé nulle part la raison. L'alarme stall, parlons-en à présent, n'est pas exempte de surprise non plus. La première chose qui frappe quand on regarde la vidéo du FDR, c'est l'absence d'alarme stall, alors même que l'avion est avec une incidence de plus de 40 degrés. Pourquoi l'alarme stall s'arrête à certains moments puis se réenclenche à d'autres? Là encore, l'explication est dans le rapport final du BEA. Et notamment dans cette phrase. Si les mesures de casse. Donc, vitesse, des 3 ADR sont inférieures à 60 nœuds, les valeurs d'incidence des 3 ADR sont invalides et l'alarme de décrochage est alors inopérante. L'alarme ne fonctionne que si la vitesse de l'avion est supérieure à 60 nœuds. Alors, en dessous de cette vitesse, ou si la vitesse est indisponible sur les 3 ADR, l'alarme est donc désactivée. Une solution retenue afin d'éviter les fausses alarmes, comme c'est dit ensuite, dans des situations notamment de décollage et d'atterrissage. Voilà une logique qui a de quoi surprendre. Comment peut-on lier ensuite une alarme de décrochage à la seule information de vitesse Airbus considère visiblement que la vitesse doit être suffisante afin que les sondes d'incidence transmettent une information fiable. Cela peut se comprendre, mais souvenez-vous, j'ai dit précédemment dans cette vidéo que le décrochage était dû à une incidence trop forte. Une basse vitesse est une conséquence d'une incidence trop élevée. Mais il faut savoir qu'un décrochage peut très bien se produire à grande vitesse, par onde de choc notamment, en approchant du supersonique, mais aussi en tirant trop fort sur le manche. C'est ce qu'on appelle le décrochage, aérodina... euh, décrochage dynamique. L'avion est protégé en loi normale pour, euh, par rapport à tout ça. Mais comment a-t-on pu lier cette alarme à la seule vitesse Pourtant, l'Airbus d'Air France était bien en décrochage avec une vitesse de moins de 60 nœuds. Une situation non prévue et invraisemblable pour Airbus et pourtant, c'est ce qui s'est produit. A-t-on relevé au cours de l'enquête cette situation pour tenter de remédier à cela Absolument pas, visiblement. Mais le plus grave dans l'Air France 447, c'est que l'on observe qu'à certains moments, L'incidence diminue, soit par des actions oh, sur le manche oh, appliqué, oh, ou encore en réduisant oh, la puissance moteur, oh, lorsque l'alarme est désactivée. Forcément, à cet instant, la vitesse oh, est oh, inférieure oh, à 60 nœuds et l'avion considère donc oh, qu'elle est invalide, donc l'alarme de décrochage ne sonne pas. Mais quand l'incidence diminue, que se passe-t-il La vitesse oh, augmente, et elle passe donc au-dessus de 60 nœuds, redevenant valide. Pour les calculateurs qui réenclenchent l'alarme stall. À des moments où les pilotes commençaient à faire ce qu'il fallait, l'avion leur donne tout simplement une information incohérente pour eux. Leur réaction est donc de remettre de la puissance, recréant ainsi à nouveau un couple cabreur entretenant encore le décrochage. Voilà pourquoi on peut considérer que la logique de fonctionnement de l'alarme stall. A joué un rôle contributif dans la désorientation supplémentaire de l'équipage. Mais là encore, ce détail a totalement été omis dans l'enquête. Pourtant, un simple instrument aurait pu être décisif et cet instrument a été banni des cockpits d'avion de ligne depuis des années. Il s'agit de l'incidence maître. Cet instrument est présent dans les avions de combat car l'incidence est ce qui permet d'utiliser l'avion dans son domaine de vol lors des combats aériens. Pourtant, quand j'étais dans l'armée, les vols que j'avais réalisés sur Mirage F1 et Alpha Jet m'ont toujours montré que cet instrument était un instrument de base extrêmement important, notamment pour poser l'avion. En effet, on pose un avion de chasse en affichant une incidence et non une vitesse, comme un avion ligne ou sur les autres avions. Si l'Airbus avait été équipé d'un incidence mètre, comme cela était le cas sur les A320 d'Arenter, peut-être que les pilotes se seraient rendus compte que l'incidence était une incidence complètement folle. Le BEA, à juste titre, a émis une recommandation de sécurité en ce sens, disant que le l'EASA et la FAA évaluent le bien fondé d'intégrer la présence d'un indicateur d'incidence directement accessible par les pilotes à bord des avions. Voilà une bonne recommandation, qu'on ne peut pas dire que le BEA est passé à côté de tout. Où en est-on, dix ans plus tard Bien une modification appelée Bus sur Airbus est proposée en option. Elle n'est pas obligatoire. Un bandeau apparaît désormais à la place de l'échelle de vitesse comme vous le voyez ici. Voilà une méthode bien complexe pour afficher quelque chose de bien plus simple. Les pilotes n'ont absolument pas connaissance de la valeur de leur incidence avec cet instrument. On leur dit simplement trop rapide ou trop lent. Ah, je me pose une question. N'a-t-on pas l'impression de prendre les pilotes pour des débiles incapables de lire un simple incidence-mètre Je suis peut-être dur dans cette, dans cette question, mais la question se pose. Pourquoi ne pas avoir privilégié un indicateur aussi simple qu'un bandeau déroulant gradué coloré ou un index comme on en trouve sur avion de combat comme ici sur le F-16 Quelque chose de simple. On a le don de faire des choses compliquées alors qu'on peut faire des choses très simples. L'incidence maître est aussi en option d'ailleurs sur les avions de type Boeing, comme vous le voyez sur cette image-là. Les accidents du 737 MAX allaient encore mettre en lumière la gravité et la criticité de ne pas disposer de cet indicateur dans le cockpit, même s'il faut reconnaître qu'il n'est pas très pratique et que les pilotes ne le regardent certainement pratiquement jamais. L'incidence est pourtant le meilleur indicateur pour juger si une aile est en décrochage ou pas. Sur un avion aussi basique qu'un DR400, l'alarme de décrochage est une palette qui tape en butée pour déclencher l'alarme sonore dans le cockpit. Ce genre de conception simple est dévolue à des capteurs bien plus complexes aujourd'hui dans les avions-ligne, au point d'en oublier, comme on le voit ici, des bases. En conclusion, je vais faire une conclusion un petit peu longue parce qu'il y a pas mal de choses à dire quand même. Aujourd'hui, les avions sont de plus en plus modernes et sophistiqués. Les pilotes voient leurs actions encadrées et surveillées par des calculateurs dont le fonctionnement est extrêmement complexe. Il ne faut pas nier que des avions comme la 320 et l'avènement des automatismes ont grandement amélioré la sécurité aérienne. Ce n'est plus à démontrer. C'est un fait. Et Airbus y a grandement contribué, soyons honnêtes. Mais des accidents comme l'Air France 447 ou le Air Asia ou encore le 737 Max, sont là pour nous rappeler que les pilotes doivent toujours être dans la boucle. On ne peut pas faire un avion uniquement avec des ingénieurs. Ce sont des pilotes qui les pilotent, et non des ingénieurs. Ce sont les pilotes qui ont la lourde tâche de déchiffrer les défaillances techniques qui sont aujourd'hui d'une complexité comme l'aviation n'en a jamais connue par le passé. Et cela a été trop souvent ignoré ces dernières décennies. Dans la France 447, la présentation de la panne sur l'écran ICAM, qui présente les pannes, aurait pu être bien plus explicite. L'avion savait que les sondes étaient hors service, même s'il ne pouvait pas déterminer pourquoi. Mais il avait détecté que les trois informations de vitesse ne concordaient pas. Et il a fait ce qu'il avait à faire, comme il a été paramétré. Si l'information avait tout simplement été du style 3 sondes pitot HS. Un message aussi simple que cela. Le message n'aurait-il pas été plus clair pour un équipage au lieu de devoir déchiffrer une situation qu'il ne comprenait pas en, tenant con, en, tenant, en tentant de comprendre les alarmes ou la raison du passage en loi alternate On n'aura malheureusement jamais la réponse à cette question, mais on touche ici du doigt le fait que les avions modernes sont très fiables quand tout fonctionne bien. Mais dont l'ergonomie ou la façon de présenter une information de défaillance est encore perfectible. On a encore des progrès à faire dans l'interface sur machine et la façon de présenter des informations simples et claires aux pilotes. La très grande complexité des avions ligne aujourd'hui, si c'est un gage de sécurité en situation normale, peut être une source de problèmes et de confusion pour les pilotes en situation dégradée. Et l'Air France 447 et le Air Asia en sont le parfait exemple. On n'a pas suffisamment insisté sur ces points dans les enquêtes, selon moi. Une partie du rapport du BEA est particulièrement édifiante et met en lumière la difficulté à apprécier une telle situation. Le BEA a confronté divers équipages à des conditions similaires et cela montre bien ce que j'affirme ici. Comme vous pouvez le lire ici, le, certains pilotes ont eu du mal à analyser euh, les, la situation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les pilotes relégués au rang de presse-bouton quand tout va bien, eh bien, ils sont pourtant confrontés à une exigence énorme de réussite pour tenter de comprendre ce qui ne va pas en cas de défaillance. Connaître et comprendre l'architecture de l'avion, sa complexité, mais aussi ses défauts, c'est ce qui fera la différence entre la vie ou la mort de plusieurs centaines de personnes. Les pilotes n'ont pas le droit à l'erreur. Ceux du vol France 447 ont eu moins de deux minutes pour comprendre ce qu'il se passait, pour avoir une chance de sauver l'avion et tous ses occupants. Tout cela de nuit, à une heure où le corps doit résister à l'envie de dormir, à lutter contre l'hypovigilance, à lutter contre le décalage horaire. L'erreur fera toujours partie de certains accidents, mais penser que les automatismes ou la technologie sont la solution à tout est tout aussi dangereux comme façon de penser. Si l'on fait aujourd'hui beaucoup de retours d'expérience sur les erreurs de pilotage, combien y a-t-il de situations où un équipage a récupéré un avion dont les automatismes auraient pu amener à un accident Il n'y a malheureusement aucune estimation objective et fiable pour évaluer ceci. Les pilotes ont un métier qui est aujourd'hui particulièrement exigeant. Au lieu de critiquer les grèves de cette corporation, le public ferait mieux d'avoir une vision plus juste de l'exigence qu'on leur demande. La perfection et la rigueur sont des exigences rarement requises à un tel niveau dans un autre métier. L'erreur peut y être fatale. L'équipage de l'Air France 447 a été héroïque jusqu'au dernier moment. Jusqu'au bout, ils ont essayé de sortir de cette situation qui a vite été sans issue. Oui, c'est l'équipage qui a fait décrocher l'avion. Mais a-t-on le droit de les blâmer Qui sommes-nous pour les juger L'erreur est humaine et elle leur a été fatale. Au lieu de ça, on ferait mieux de continuer à améliorer la sécurité et surtout à simplifier les avions, tout en gardant les pilotes dans la boucle. Là réside le défi de la sécurité aérienne du futur, dans, selon moi. Airbus a-t-il suffisamment pris en compte ses défauts Il semblerait que certaines corrections aient été apportées à la 350 pour tenir compte des enseignements de la France 447, mais Airbus a très peu, voire pas du tout communiqué dessus. Serait-ce une façon de ne pas vouloir laisser entendre que l'avion avait été en fait, avait en fait contribué à l'accident? Je laisse chacun libre de répondre à cette question. Si moi qui ne suis pas pilote d'Airbus, je suis parvenu à identifier les éléments abordés dans cette vidéo en étudiant simplement les rapports d'accident, qu'en disent les pilotes d'Airbus eux-mêmes? J'ai donc eu l'occasion de confronter mon analyse à plusieurs d'entre eux. Il y a deux écoles. Celle des anciens, comme Gérard Arnoux, comme Patrick Louis, qui sont d'accord avec ce que je dis ici, et celle des pilotes n'ayant connu que les Airbus et considérant cette famille d'avions comme parfaite. Mais je dirais une chose aucun avion n'est parfait, pas même les avions Boeing. Après le non-lieu prononcé par Airbus et Air France à l'issue du procès au tribunal de grande instance en 2019, la cour d'appel de Paris, à la demande du parquet général, a renvoyé les deux sociétés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Il ne m'appartient pas de juger si Airbus ou Air France sont coupables ou non. C'est le travail de la justice. Personnellement, je ne suis pas un partisan pour ce qui est de condamner une personne, mais plutôt un système. Je comprends les familles à trouver un responsable, mais cela ne doit pas devenir une chasse aux sorcières. Le président d'Airbus n'est pas à l'origine de la conception de l'avion. Si l'on trouve une défaillance dans la conception, c'est la faillite d'un système et non d'une seule personne, pilote d'essai, ingénieur, concepteur, autorité de certification. Mon constat est que des choix techniques et technologiques dans la conception de l'avion ont contribué à cet accident et tout ce que j'encourage c'est que l'on en tienne compte dans le seul et unique but d'améliorer encore et encore la sécurité aérienne. Savoir reconnaître ses erreurs et les corriger est la meilleure façon d'en ressortir grandi. J'espère que cette vidéo vous aura appris les choses. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à mettre vos commentaires. Merci de faire en sorte que ces commentaires soient constructifs.